Archer cavalier, ça peut être sympa sur Shogun. Cavalerie légère, d'accord. Ok, bon là faut se préparer parce qu'à mon avis on va se prendre une belle contre-attaque dans le fion. Je sais pas de quel côté. Je dirais plus sur Yuga que sur Higo. Ça m'étonnerait qu'il attaque Higo direct comme ça. Ça me paraîtrait un peu audacieux, voyez-vous. Oh mon dieu, 1297, je suis riche! Si on attendait un tour pour faire le bastion de ville, plus. Attends, plus 5%, plus 5 de répression dans cette province, améliore le Bushido de 1%, déverrouille un emplacement de construction. Hein. Consommation alimentaire 2, je peux me le permettre. Capacité de recrutement, vassaux sont moyens en défense. Bon! Eh ben. Ah bah non, regarde. Ah bah si. Allez, on va attendre un tour, on va faire ça. À moins qu'il y ait des... Ah voilà, à moins qu'il y ait des choses à faire ici, effectivement. Alors. Donc là, je peux faire un deuxième bâtiment qui me permettra de faire des cavaliers améliorés. Alors attends, attends, que je fasse pas de conneries, ça me changera un petit peu. Ah, attends, j'hésite. Des archers montés ou des naginata, enfin des yari, c'est ça, c'est des yari. Le yari, c'est une arme, c'est ça, montée d'une arme de lance. Ouais, non. Yari monté est armé d'une lance-langue, ce qui le rend particulièrement redoutable lorsqu'il charge au combat. C'est intéressant quand même. Allez, on va faire du... Quoique... Ah! Ouais, après je suis les Shimazu, école du sabre, voilà. Ouais, on va se faire des... Ouais, une école du sabre, c'est bien. Tu m'étonnes, Sijiron. Moi j'ai... principalement, moi je fais du Mountain Blade. Et il y a un mode pour augmenter le nombre de troupes que tu peux utiliser, mais en fait ce jeu est tellement codé avec le cul que seul ton CPU compte pour la gestion des troupes. Et... Il prend cher le CPU. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Montre-moi un petit peu, c'est quoi? Des archers samouraïs? Ah la vache, mais il a que des bonnes troupes, quoi. Précision améliorée. Oh, yo, 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 yo. Ah mais je vais me faire déboîter. Hein. Je vais rester là tranquille. Je vais rester là tranquille et puis attendre qu'il attaque. Est-ce que tu peux... Ça donnerait quoi si je prenais la garnison? Montre-moi un peu. Non, je peux pas. Putain. Ça, je peux pas. Ici, on a quoi en armée? On a que dalle. J'ai un de mes fils qui est disponible. Vas-y, amène ton cul, toi. Ici, il y a quoi? Pas grand-chose. Ouais, mais au niveau de la répression... Oh là là. Oh, ça pue le cul. Ouais, mais t'as vu ses archers à lui, Sijiron? C'est des archers samouraïs, et moi j'ai des Ashigaru, des paysans. Et en plus, les siens sont boostés en précision. Franchement, je suis pas confiant. Hein. Non, ne pas le recruter, j'ai suffisamment de généraux pour l'instant. Et non, rentre à la maison, c'est lui. De toute façon, je vais être obligé, parce que là, tour avant réédition 2, donc je vais être bezaï. Par contre, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a plus d'armée. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une petite manœuvre latéro-latérale? Bon, allez, je fais confiance au patron. Oh oui, je pense à l'Epsky. Mais c'est clair que la hype autour de Mountain Blade 2 monte de plus en plus. Il y a des gros youtubeurs comme IKILLYU qui font du Mountain Blade 2. Enfin, du Mountain Blade en attendant le 2.
Oui, c'est la guerre, c'est cool. On va boire dans des crânes de sang, tout ça, tout ça. C'est quoi ça? Ah, c'est de la garnison, c'est cool. Alors, donne-moi ça. Ah, mais non! Pourquoi t'as fait ça? Détends-toi, on se calme. Merci bien. Bah admettons, si ça te fait plaise. On va le mettre dans ce groupe là, lui dans ce groupe là. Hein? Non, vraiment pas, non. Merci bien. C'est bon, t'as fini tes conneries? Ok, super. Ensuite... Ah merde, j'en ai oublié. Ah mais on m'a encore cassé mon groupe. On ne touche plus à rien. Ah, tu fais chier à faire ça. Ça fait déjà 7 ans et je suis pas persuadé qu'il soit là de sortir, hein, Mountain Blade 2. À mon avis, c'est pas pour demain, tu vois. À moins qu'ils fassent artificiellement monter la hype et tout machin, mais... Je le sens vraiment pas comme ça, tu vois. À mon avis, ils sont juste pas prêts, les bétails. C'est bon sinon, je vous ai pas dit de vous bouger le cul. Hein. Il m'avait semblé, hein, franchement. Je peux me tromper, mais je le crois pas. Ah, c'est vrai, Sigeron, c'est vrai que Kingdom Come va... Ouf. Après, Kingdom Come, ça va être un putain de jeu. Ça va être une perle, c'est sûr, mais extrêmement scripté, quoi. Je veux dire, ça va être... Enfin, c'est pas annoncé comme un sandbox ou quoi que ce soit. À mon avis, on n'aura pas la liberté d'un Mountain Blade. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il joue absolument. Et comme j'ai fait dans le... Là, j'ai regardé dans le dev blog de jeudi dernier où les développeurs martelaient encore une fois leur... Leur priorité absolue, c'est que le jeu soit entièrement modable du début à la fin, vous voyez, sur Mountain Blade 2. Et je suis pas sûr que ce soit la philosophie de Kingdom Come. Kingdom Come, putain. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ouais, que du katana. Ah,
Et là, ils ont vraiment décidé au niveau de Mountain Blade de vraiment tous les. Tu vas pouvoir. Mais non, dégage-toi. Tu vas pouvoir tout modder de A à Z, quoi. Ouais, bah, j'attends de voir si j'attends de voir. Je le vois super scripté, moi, comme jeu. Je peux me tromper. Ah, si des bonnes routes, ça va nous aider à faire remonter les renforts, c'est cool. Par contre, 747 de revenus, ça n'augmente pas, c'est une catastrophe. Faudrait que je fasse des barres à putes ou une connerie comme ça. Les barres à putes, ça marche bien pour le commerce intérieur. S'il y a rien, vas-y, fais tes routes. Voilà, les routes, on aime bien. J'ai déjà fait ici. Ok. Après, Witcher 3, t'as tellement de contenu, effectivement, que... T'es pas malheureux, quoi, je veux dire. C'est pas un sandbox, machin, mais t'es pas malheureux, t'as toujours quelque chose à faire, ça bouge tout le temps, c'est cool, quoi. Ok, c'est parti pour... Non. Des cavaliers katana. Ça, à mon avis, ça va faire du bien dans l'armée, tu vois. Ah, si rajoute une gestion vraiment de ton domaine, là oui, là ça peut être super. Ici on est bien au niveau de la répression ou pas? Religion non suivie par le clan, moins 6. Oh la vache! Mais t'es sérieux? Influence chrétienne des provinces avoisinantes, plus 1,5. C'est quoi, c'est Bungo qui me fait chier là, c'est ça? Non, fais voir un peu. C'est les Shawnee encore. Mais pourquoi je suis en paix avec les Shawnee? Je viens de leur péter la tête. Et ça, c'est les Shawnee. Et ça, c'est quoi? C'est Shawnee aussi? Non, ça, c'est les Maori. D'accord. Bon, on va aller péter la tronche aux Maori, alors. Obligé. Obligé, ils vont me ruiner l'ordre public sur toutes mes... C'est pas possible, quoi. Ah bah, le housing, c'est génial, c'est... Ça te révolutionne un jeu, quoi, attends. La voie de la lance, qu'est-ce que tu veux faire? Plus 1 d'expérience pour une unité de lance, d'accord. Ah, la fameuse grue en piqué, quoi. Je ne sais absolument pas ce qu'est la grue en piqué. Je préfère être clair avec tout le monde. Waouh! Oh, content! Alors, qu'est-ce que tu peux construire? 1700 balles, on va plutôt recruter. Alors, on va se recruter. Deux tours de recrutement, t'abuserais pas un petit peu là?
Alors, ouais, ici, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Assassin's Creed? Ashran Call? Assassin's Creed, j'imagine. Ouais. Ah, si c'est assez, c'est vraiment du mini housing, hein. C'est vraiment. Vraiment le minimum syndical. Hein. Il est un. Mais c'était sympa. C'était quoi le château de. C'était en Italie, là. Oh, c'est quoi ce bateau? Les Chocos Sablés, d'accord. Les Chocos Sablés, on les a pas encore rencontrés, donc je ne peux pas être en guerre contre eux. Faut pas déconner. Je sais bien qu'ils peuvent ne pas aimer ma gueule à distance, mais pas de raison. Alors, hop, petite cavalerie. Je garde la garnison de ouf, bien sûr. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça. Faire venir ici. Avec nos belles routes, ça va ne prendre que deux tours, c'est magnifique. Eh ouais, t'en as encore un en cours. Ouais, bon, on va arrêter à celui-là. Par contre, c'est un peu la dèche niveau archer. C'est un peu la dèche, va falloir qu'on s'occupe de ça. Higo, c'est où Higo? Bon, arrêtez conneries, j'ai laissé le monde entier en garnison ici. Ouais, il casse les. On a l'équilibre, c'est parfait. Il faut vraiment que j'aille bourrer la gueule aux tribus catholiques à côté là parce que. Tu peux me recruter quoi toi? ...128 de revenus mensuels, mais c'est de la merde, c'est tellement de la merde. Ah ouais, vas-y. Il saoule. Parce que je suis sûr que lui, il est pas emmerdé comme moi. Lui, je suis sûr qu'il est pas emmerdé comme moi avec la... Comment ça s'appelle? Et je vais trouver. Je te jure, je vais trouver. Avec l'ordre public, tu vois. Celui qui sait quand combattre et quand rester en retrait. Non, pas de neige. Il n'y a que moi qui vais courir, donc surtout pas de neige. Pas d'effet négatif, c'est bien ça. Vaut mieux faire pas d'effet négatif que de chercher la merde. Alors, ce qu'on va faire, on va en mettre deux par là. Mais là, vous. Merde, j'ai perdu mes troupes. Où est mon armée? C'est bon, t'as tout le monde? Allez, prends-moi cette putain de baraque. Bon, là, faut compter sur... parce qu'il y a que des Ashigaru, normalement. Archer samouraï, tu te fous de ma gueule, quoi. Ouais, il y a peut-être un petit peu de samouraï, quand même, mais c'est beaucoup des... Hein? C'est quel sujet? Oui? Mais attends, parce que s'ils sortent, on est un peu dans la merde, là.
Il sort pas, hein. Vas-y, fais pas ta pute, quoi. J'ai une unité d'archer, mais c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas attaquer les portes, vous, c'est ça? Sérieux? What? D'accord. Eux, je sais pas pourquoi, je leur donne pas beaucoup de chances de survie. Non, faut vraiment vous dépêcher, là. On pourrait les mettre à pied, ceux-là, ça nous aiderait un peu. Mais je perdrais l'avantage derrière. Elle devrait pas tenir très longtemps, la porte, hein. Il y a du monde, quand même. Wow, ouais, d'accord. Ah, tu m'étonnes. Oui, bro, j'ai fait le sac, ok, ça arrive. D'accord, bon, ok, ok. Ah, cassez-vous, cassez-vous, vous ne méritez pas de vivre. Je surestime beaucoup trop mes samouraïs, voyez-vous. Trop de lanciers là, mon Krog, y a trop de lanciers, t'es dans la merde. Et vous, vous tirez une fois tous les... Ah si, quand même. Ah si, tu vois, au bout d'un moment, si, quand même. Tu sens bien cette volonté de... d'économiser les flèches, quand même. Hein. Vas-y, allez. Et ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ou pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est que j'arrive à passer sur le côté. Là. Tiens, ce qu'on va faire, on va utiliser cela. Beaucoup trop de défenseurs, je suis mort. Je suis baisé. À 2 minutes 30 pour récupérer les flèches enflammées. Hein. Ah, mais les mecs, il faut qu'ils fassent un feu de camp à chaque fois qu'ils tirent, en fait. Ok. C'est une défaite. Il n'y a pas moyen de les rattraper. Allez, c'est mort. Oh, le bon côté des choses, c'est que normalement, j'aurai du pognon maintenant, tu vois. Ça, c'est cool. T'as pas un général, non? Il n'y a plus de général. J'ai perdu un fils, c'est ça? Pas un peu? J'ai perdu un fils.
Non, je convertis pas ma religion, tu peux aller te faire foutre. T'es où toi? C'est l'héritier, il est où lui? Il est là. Ok. Ça arrive, ça va. J'aurais pas dû séparer mon armée. Non, mais ça c'est pas sympa par contre. Bon, ça c'est de la violence gratuite qui était totalement inutile, franchement. Par contre, ce qui serait sympa, c'est que tu restes bien tranquillement chez toi, mon ami. Foutez-moi la paix. Armée écrasée, je t'emmerde. J'avais bien vu que j'avais perdu mon armée, c'est bon, je te remercie. Alors, vas-y, on va commencer à recruter avec lui, du coup. Alors, il va nous falloir quoi? Ouais, mais ça, c'est pas grave. Faisant que deux. D'accord. Ok. Bien, il est. Non, mais là, c'est. Là, non. Là, je dis non. J'ai beau dire ce que je veux, il va y venir, hein, mais je dis non quand même. Ouais, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de faire le kéké, toi. Parce que si t'avances de trop, tu vas te faire prendre le cul. J'ai aucun agent pour le foutre la merde. Je pourrais attaquer son château, là. Le problème, c'est que l'ordre public va me péter à la gueule. Ça, c'est pas cool. De cours de cours. Allez, faut rattraper les conneries. Ah ouais? Ouais. Ok, je te propose un autre scénario par contre. On va plutôt faire comme ça, mon gars. Voilà. Voilà, ça me plaît déjà plus, moi. Il y a du housing dans Karate Kid, je suis pas sûr. Quoique si, au début, si au début, il retape la maison du vieux, donc on peut considérer ça comme ça. Ouais. Ouais. C'est jouable. Ouf, ouais. Ah, putain. Allez, on accélère. Qu'est-ce qu'il nous envoie là? Une unité de cavalerie? Un peu beaucoup là, non? Ah, la grue en piqué, ouais.
Je crois que c'était le housing. Ouais, je sais pas ce que c'est la technique de la grue en piqué, franchement, je l'ai débloqué ou pas déjà? Monter, descendre. Oui, non, mais alors là, par contre, on se dépêche un petit peu, merci. Là-bas, ça donne quoi? On s'approcher tranquillement. Mais bah, il se démerde le général, écoute. Il est général, hein, c'est pas un troufion de base. Emmerdez pas. Allez, sac-toi un peu là, sors-toi les doigts du... Et shootez-moi ces cons là, vite, 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 vite. Allez, on se fait un petit demi-tour là. Et hop là. Non. Bon, ça aurait été sympa de faire demi-tour en fait. Voilà. Ça c'est sympa ça. Tu vois, ça c'est sympa pratique. Ça c'est sympa pratique. Ici ça se passe bien. Ici ça a pas l'air dégueulasse. On va peut-être plutôt faire ça. Ils sont à 2v1 quand même. Ah bah. Non, ça c'est... Ça, je préfère. Merci. Ici. Il est en train de s'enfuir. C'est parfait. Toi. Tu. Ok. Bonne chose de faite, j'ai envie de te dire. Ah putain. Ah mais arrête avec ça, bordel. D'où je vais sauvegarder mes vidéos, j'ai pas que ça à foutre. Bon. Commandant potentiel, j'ai pas besoin. Allez, dépêche-toi. Ah, c'est long ces simulations. Simulatrice. Ok, là au niveau de l'ordre public, on doit être bien dans la merde par contre. Oh. Yeah, bon, on dira que c'est suffisant parce que moi après j'ai plus rien pour aller me battre. 903, non mais 903 pour de la cavalerie katana. Ça coûte la réfection des routes de toute la province quoi. C'est un petit peu cher quand même. Faut pas perdre trop de temps parce que là les chenilles doivent pas être super. Armée sabotée, je t'emmerde monsieur, je t'emmerde, Igo. Oui bah c'est bon, je suis en train de ramener de la garnison là, tu... voir un peu. Hein. Oh. Eh, vraiment. Hein.
Bon, bah ce sera pas mal pour aujourd'hui, on aura quasi... Là j'aimerais bien quand même choper Bungo. On aura bien avancé sur la conquête de la première île. Fuck ! Assassin ! Ah ! Plus 200 de richesse, ça m'intéresse. Ça c'est bien aussi, mais on va surtout... Oh, 1300 de richesse, t'es sérieux? Ah oui, non, oui, non, mais d'accord. Ouais. Ok. J'ai pas besoin de nourriture pour l'instant, donc on va se faire... Magasin de jeu. Une maison de jeu, pardon. Maison de jeu. Magasin de jeu, je sais pas pourquoi. Ok. On va se faire un petit peu d'archer et puis on y va. Quoique j'aurais pu faire des... Ouais, j'aurais pu faire des Yari et prendre les archers qui étaient en garnison, ça revenait au même. Oui, oui, oui. Oh, Yuga, qu'est-ce qui se passe à Yuga? Quoi, y a pas assez de... T'es sérieux? Non, mais putain. Ok, moins 1, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, c'est parce qu'il compte pas, la garnison, je crois. Ok. Bon, bah, ça nous fait une petite armée, ça, c'est pas mal. Une fois au corps à corps, je vais tous les découper, le tout c'est d'y aller. Allez, roule. Prochain tour, on y va. Quelle heure il est? 26! Ah, ah, ah! Bon, ça fait 10 tours que je passe, l'autre il a déjà refait son armée entièrement, c'est sûr. Tiens, pourquoi ça s'éclaire là-bas? Un nouveau copain? Bah bon, en parlant de nouveaux copains, on va voir s'il n'y a pas moyen de faire un accord commercial depuis le temps. Ces gogols là, mais ils veulent pas. Ils veulent pas Ah, accord satisfaisant. Une route commerciale a été ouverte entre nos terres et celle de nouveaux partenaires commerciaux. Ça y est, je suis riche là, c'est bon. 1000 balles par mois. Plus rien ne m'arrête. Ils essaieront de l'attaquer, affaiblissant potentiellement l'économie. Va pas trop vite. Alors, on va déjà se taper cette armée. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Écoutez, comme ça, je serai en plus dans les temps. Qu'est-ce que... Ouais, non, on va la faire en auto, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En fait, j'aurais peut-être été plus vite à la faire moi-même. Bien. Bon, tu vas arrêter de nous casser les bonbons avec ton christianisme à la con, là. Port de commerce, Nanban. Tu crames. C'est quoi ça? Oh là là, tu crames. Ok. Ça va aller mieux au niveau de l'ordre public, vous allez voir. Tu vois un peu? Bon, je pense que... Oh la vache, plus 3 d'influence chrétienne, mais tu te fous de ma gueule, quoi. On va voir au prochain tour, une fois que j'aurai brûlé les bâtiments chrétiens.
Au niveau du recrutement, ah bah oui, la chigarue machin avec des flingues et tout, évidemment, ça, ah, ça fait rêver tout de suite. Ça fait rêver. Bah lui, on va le faire guerrier, tiens. Hmm. C'est quoi ça? Entrepôt. Bah, normalement, s'il n'y a pas le symbole, on est bien. Voilà. Ils arrivent pas à débiter, les enfoirés. Oh! Et admirer la profonde armée. Les chocos sablés qui veulent faire un... Les Oreos, tiens, je vais les appeler les Oreos. Un accord commercial, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça va enfin débloquer un peu le délire, parce que j'avais tellement pas de thunes jusque-là. Une femme ambitieuse. Oh. Moins un loyauté pour... Ouais. C'est qui, lui? Un vassal loyal offre la main. Non, va-t-il quoi? Oui, allez. Il sera toujours temps de l'assassiner. Ah, bah le commerce, il aura duré un tour. Pas mal. Alors là, par contre, je peux me faire un temple. On a fait les recherches, tiens, regarde. Temple bouddhiste. Non, attends. Plus un de bonheur. Conversion de la population au bouddhisme à plus 0,5. Ben voilà. Allez. Ok. Quatre tours de réparation. Waouh, mais t'es un enfoiré, ça en déconne. Ah, ou alors c'est parce qu'elle était pas construite. T'as le plus pour ça, parce que 4 tours de réparation, ça fait beaucoup quand même. Bon, ici, on a quoi de sympa, alors dis-moi. Rien. Ça, c'est quoi, ça? Entrepôt, tradition navale. Ok. Et ça, c'est... Ça, c'est une route, on s'en fout de la pierre. Ressources requises non disponibles. Pourquoi tu dis ça? J'ai une carrière de pierre ici, non? Un armurier. D'accord. Ok. Bon, amis viewers, je vais vous laisser là. Hein, 9h30, 11h30, on est bon niveau horaire. Bah merci à ceux qui sont venus pour mon premier live sur Planète TW, Planète Totalware. On se retrouve peut-être demain matin à 9h30, je suis pas sûr. Au pire, sur jeudi matin, 9h30, on remet ça avec les Shimazu. Les Shimazu, donc il nous restera plus que la province de Izen à prendre. Et ces deux patelins là, ça va se faire assez rapidement, je pense. Ils ont pas l'air très militarisés. Les deux villes sont prenables très très rapidement. Après ça va, voilà. Ah oui. Mais après on rentre en guerre contre tout ce bordel, quoi. Ouais. On va peut-être passer par la voie diplomatique, non? Bon, on verra bien. On a le temps de se décider. Des bisous à tout le monde. Une bonne journée. Ciao.